Et nous sommes de retour. Là, c'est compliqué de faire des bons rendus. J'étais en train de passer mon temps à faire des tests pour améliorer la qualité du 1080 de Phoenix. Rajouter de la netteté, saturation, trucs comme ça, pour que ça soit plus joli. C'est compliqué hein, de trouver la bonne balance en fait. Parce que les vidéos, elles ressortent bien en fait après les rendus. Mais le fait de les mettre sur YouTube, ça crée pas mal de problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, c'est juste que l'encodeur et tout ça change la qualité. Bon, il y a ce truc, je sais toujours pas comment exactement y aller. Est-ce qu'on peut se mettre là et directement faire ligne droite? On peut retourner dans la dans notre zone de la forge, là-bas, là, avec la statue. Mais vu qu'on est là, vu qu'on avait récupéré des nouveaux pouvoirs et tout, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas un peu en profiter? Donc maintenant on est encore plus puissant qu'avant. Déjà qu'on était très puissant. Mais le cheval revient. Alors attends, il faut que je marque ça sur la carte. Donc on a ça, et nous on voulait aller par là, je crois. Merde. Les cornes. Est-ce que je peux marquer les cornes? Yes. En plus, c'est qu'on est presque à fond en énergie, donc ça, peut-être qu'on peut voler assez longtemps pour y arriver. Faut voir. On va y arriver là. Tartare. Ça fait loin quand même. N'a pas le temps, notre esprit est ailleurs. La musique est sympa ici. Merde. C'est vrai que je suis en combat. On va attendre. Ils vont reset dans un petit moment. Enfin, reset. Comme ça que ça se prononce. Je crois que c'est possible. Je dirais que oui, je dirais que ça passe. De vue comme ça. Déjà arrivé là, en haut.
On y est pas. Je suis sûr que ça passe. Je suis sûr que ça passe maintenant. Avec notre énergie et tout, oui, ça passe. J'espère qu'on pourra se reposer en haut par contre. Sinon ça va être la merde. Pourquoi il y a la musique qui devient hostile là? Oh! Ça, c'est une bestiole ça. Ça c'est un truc légendaire à combattre ça. Ok, on y va. Allez. Alors, ligne droite, là. Ça remet combien de d'énergie, une potion, je me rappelle plus. Est-ce qu'on utilise une maintenant? Parce qu'il y a aussi les nuages. Les nuages noirs, la rouge. On va en avoir ou pas? On a l'air d'être bon. On a l'air d'être bon. Nuages rouges, c'est bon. Wouh! Let's go. Hey. En plus, ça fait petite musique de genre on a trouvé un secret. Le chemin du messager. Alors, fais voir. Et perroquet, va scouter les environs. Il y a un truc aussi. Oui, ça, ils auraient pu rajouter ça. Ah, ça serait pas mal. Comme j'avais dit que l'oiseau, il pourrait être un peu plus utile pour des trucs comme ça. Genre, aller faire des repérages et tout, ça serait cool. Non mais c'est chronométré. Aïe aïe aïe. On est bon. Enfin je crois. Ok cool. On ne désespère pas. C'est pas grave. Falling. Ok, pourquoi on a une caisse en plein milieu? C'est juste pour nous faire chier. Attends. Par contre, faut que je regarde où sont exactement les coffres. Ok, ils sont loin, ça va. C'est pas. Ça va être à chaque fois des trucs comme ça. Mais non, t'accroches pas. Non, non. Vous voyez, là, il faut pas des doigts, il faut des connexions neuronales à la manette. Vous voyez, ça irait plus vite, parce que là, fallait faire la potion, l'habilité et tout ça. Non, c'est dans les moments comme ça où il faut être rapide, donc moi, il me faut un truc plus rapide.
Mes doigts, ma main, tout ça, ça suit pas, moi. Mon cerveau, il sait quoi faire, le reste... Le reste, non. Ça fait... C'est un discours de vieux, ça. Mais c'est vrai. Alors... Il est où, l'autre coffre? Ah, merde. Faudrait que je les marque, en fait. Comme ça, je vois sur les côtés, vous voyez, les... les marqueurs. Ok, donc... La foudre est là-bas, donc nous on veut pas aller à gauche, on veut aller là-bas. Ça marche. J'ai même la caméra qui... Comment on fait? Comment on fait? Oh la vache, merde. Nique ta maman. Normalement, j'ai mon pouvoir qui me remet full vie ou pas? Non. Il marche pas quand on meurt comme ça. Est-ce que je peux... Est-ce qu'on doit récupérer la boîte? Genre ça, là. Nique ta mère. Désolé. Je pensais qu'il y avait encore une plateforme, j'aurais pu m'arrêter. Ça commence à me gaver. Tu m'étonnes que celui-là il était relou à accéder. Tu m'étonnes. Par contre, ce qui est chiant, c'est que la caméra, on peut pas la tourner pendant qu'on sprint en fait. Ah, peut-être dans les options, on peut mettre comme quoi elle sprint tout le temps. Au lieu de maintenir. C'est vrai que ça, c'est un peu chiant. Genre, cette boîte-là, est-ce qu'il faudrait pas la récupérer? Non, mais on n'a pas le temps de la prendre et de la récupérer. Genre, pourquoi c'est là, quoi? Ah, je pense que c'est juste pour nous faire un boost. Pour pouvoir passer le passage, en fait. On est d'accord que... Ouais, voilà, d'accord qu'on va glisser. Ouais, non. Je pense que là, on peut peut-être pas y aller. Oh. Quoi? Ah oui, c'est vrai que je sais pas. Peut-être que ici, on peut pas y aller directement par là. Il faut aller à gauche et après, on vole. Ça, je peux pas l'attraper, ça.
Ok, donc il faut casser les caisses si on veut aller à droite. Mais oh! Non mais sans déconner, qu'est-ce que tu me fais là? Non mais sans déconner, qu'est-ce qu'elle m'a fait là, s'accrocher bizarrement? Donc faut casser les caisses, comme ça, ça fait apparaître les autres plateformes à droite. Merde quoi. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Yes. Ouh, pectoral de l'ombre du tartare. Réduction de 56% des dégâts subis du fait des pièges. Ah, oh, c'est pas mal ça. 20% des consommations d'énergie au fil du temps, la crypte du tartare. On peut voir un peu l'équipement entier. Ah, c'est stylé, hein. C'est stylé. J'aime bien. Un peu relou à récupérer. Ouais, du coup là on peut juste se planer directement. Sans toucher ça. Ambroisie. Ouais, on a bien fait de le faire tard quand même celui-là. Il nous faut énormément d'énergie. Il faut énormément d'énergie. Genre là, il nous manque un cran pour être maxé, quoi. Bien joué. Ah, il y a un jeu que j'attends beaucoup aussi. Wulong. J'en ai déjà parlé. Ça va être la suite spirituelle de Nioh, parce que Nioh est fini. Ouais, Wulong, ça a l'air pas mal. Et Wulong devrait aussi, je crois bien, avoir une sorte de... Attendez, il y a des coffres qu'on a loupés. Je crois qu'on avait loupé des choses ici. Enfin non, j'avais... Ah, voilà, là. Ça, et après, je crois que c'est bon. On peut aller... Ah, il y a ici aussi ça. Je crois aussi qu'il devrait avoir une sorte de monde ouvert. Je suis pas trop sûr. Je crois que ça calque un peu sur Elden Ring. Parce que Elden Ring a bien monté la barre hein, par rapport aux Souls-like. Parce que les Souls-like, c'était quoi? C'était couloir, on peut pas sauter, on peut pas explorer. Elden Ring a démontré que si, un Souls-like peut garder l'esprit Souls et aussi être un jeu d'exploration. Comme un Zelda Breath of the Wild, comme Phoenix, par exemple. Donc ça, c'est cool. Et je crois que Wulong, ça va se passer en Chine, du coup. Fait par Team Ninja, hein, ceux qui ont fait Nioh, devrait avoir ce système là aussi d'exploration et tout un peu. Donc je suis assez impatient de le voir. Et en plus il sera sur le PC Game Pass. Donc pas besoin de l'acheter. Je comprends pas les gens qui détestent le PC Game Pass. Ouh, 7800. Oh, putain, c'est énorme maintenant. Avec 224, c'est... Vous imaginez les économies que ça fait de pas acheter les jeux 50€, 60€. Moi je le vois perso. Moi je le vois grave.
chaque fois, avant, à l'époque, de mettre 40 euros, 50. Et encore, moi je suis sur PC. Donc sur PC, la plupart du temps, c'est un tout petit peu moins cher. C'est plutôt à 50 que. On va économiser pour ça. Que du 60. Mais même ça, même. C'est l'économie de fou, quoi. Alors là, pas besoin d'acheter Phoenix, par exemple. Mais vous rajoutez ça plus les DLC. C'est quoi les DLC? On avait vu, c'était quoi 40 euros, je crois. En tout, avec le Season Pass. Donc bon, hein. 40 euros plus le jeu qui doit en valoir 50, je pense. Je sais pas exactement, honnêtement. Donc voilà. Déjà quasiment une petite centaine d'euros qui partent. Attends, c'est quoi ça? Non. Donc ouais, PC Game Pass, ça tue. Il y a un coffre ici. Donc moi, je pensais que c'était le coffre qu'on avait récupéré l'armure. Mais il y a autre chose, du coup. Alors attends, il est où le coffre? Il est en contrebas. D'accord, ça marche. Alors. Il est en contrebas, monsieur le coffre. Presque. J'ai dû changer d'armure, je sais. J'aurais dû complètement changer d'armure, c'est pas grave. Il est encore plus bas, donc peut-être là. Ah, passage sous l'eau peut-être. Yes. Ouais, passage sous l'eau. Ça va. Pour l'instant, Wulong sur papier, il a tout ce qu'il faut. Différents types d'armes, la magie, progression du personnage, bah comme à la New, hein, tout ça. Du multijoueur. il a tout ce qu'il faut. La seule chose qui manque, on peut sauter aussi, ils disent. J'aime bien comme, genre, sauter, c'est devenu un truc à dire. Parce que, bah ouais, Elden Ring, encore une fois. La seule chose qui manque, ça serait du cross-platform. C'est un peu le seul problème que Nioh avait. C'est qu'il n'y avait pas de cross-platform. Donc du coup, PlayStation et PC étaient complètement décalés. Surtout que en premier, ils sortaient sur PlayStation. Et après, ils sortaient sur PC genre un an plus tard. Donc, oh merde. Oh putain. Vas-y, on va les aider. Salade de poule. Non mais sérieux.
La barre de d'étourdissement elle est quasiment pleine, c'est bien. Ah mais il attaque pas moi encore, ok. C'est l'armure que je veux changer, moi. Donc ouais, ça c'était vraiment le gros problème de Nioh. Où, en plus c'était, comme je disais, décalé. Donc du coup, au début, pour trouver des gens sur PlayStation, c'est vachement bien. Mais après, au bout d'un an, les gens, bah, ils jouent plus, quoi. Et après, on avait une partie sur PC. Du coup, il y avait moins de gens. Parce que bon, le jeu, il n'était pas vraiment nouveau. Enfin bref, voilà, c'est ça le problème de Nioh 2 en fait, de Nioh 1 et 2. C'était vraiment vraiment ça le problème. Et là du coup... Où est-ce qu'on peut... Là du coup, le cross-platform aurait pu être vachement intéressant pour Nioh 1 et 2. Donc bref, de toute façon c'est fini, donc plus la peine d'en parler. Maintenant, on a donc Wulong. Wulong, ils n'ont pas parlé de cross-platform. Donc ça, c'est un bémol. Mais la différence, à l'instar de Nioh, Wulong sortira sur toutes les plateformes en même temps. Sortira sur PS4, PS5, Xbox SX, One. Merde. Mais oh, qu'est-ce qui m'arrive? PC Steam, Game Pass. PC Steam, Game Pass, tout quoi, voilà. Donc, donc voilà, du coup, ça va être moins problème, je dirais. Pour le multijoueur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, les communautés seront pas divisées dans le temps. Pas divisées dans les plateformes. Elles seront divisées dans les plateformes, oui, mais elles seront pas divisées dans la sortie du jeu. Donc en théorie, ça devrait mieux marcher, avoir plus de monde. Sur n'importe quelle plateforme. Skin. Donc ouais, ça c'est bien. Moi je vais le prendre sur le Game Pass. De toute façon, mes amis, ceux qui vont le prendre vont aussi le prendre sur le Game Pass. Il n'y a pas de raison de ne pas le prendre sur le Game Pass de toute façon. Seul truc, et même maintenant, j'allais dire un truc, mais c'est faux de nos jours. J'allais dire, avant dans le Game Pass, en fait, vu que c'était Microsoft et tout, les jeux, ils étaient super protégés, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas accéder aux fichiers et tout ça. Ça pouvait poser quelques problèmes, genre parce que, bon, évidemment, hein, les développeurs, ils savent pas faire des jeux, des fois. Un cristal rouge là-bas. Ils savent pas faire des jeux. Et pour ceux qui jouent sur PC, hein, vous avez tous passé un moment dans les fichiers, genre Yanni ou des trucs comme ça. Pour corriger des problèmes, hein, genre des problèmes de FPS, ou alors genre le FOV qu'on peut pas bouger, mais on peut bouger dans les fichiers. Conneries comme ça. Donc ça, c'est chiant de pas pouvoir accéder aux fichiers, mais ça aussi ils l'ont changé. Ça fait un moment maintenant, et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte. Donc maintenant c'est comme si ça venait de Steam et tout. Vous pouvez accéder aux fichiers des jeux.
Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre des mods et tout, sans problème. Donc, voilà. Par exemple, moi, c'est ce que j'avais fait sur à l'époque, hein, quand il était sorti sur Game Pass. Control, parce que j'avais jamais joué à Control avant. Très, 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 très bon jeu encore, ça aussi. Donc, j'avais testé sur Game Pass. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Après, bien sûr, oui, si vous me connaissez de. Oh. De Fallout 4 et tout ça. Bon, j'aime bien les mods. J'aime beaucoup modder mes jeux pour les rendre mieux. Et du coup, je pouvais pas le modder parce que, comme j'ai dit, les fichiers étaient protégés à l'époque. Donc après, il y avait une solde sur Steam et j'ai acheté le jeu sur Steam. J'ai pu le modder et tout. J'ai passé encore un bien meilleur moment après une fois que le jeu était modé. Mais voilà, mais maintenant, non, maintenant, même ça, cette époque est révolue, donc vous pouvez modder les jeux sur Game Pass, y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc ouais, y a zéro raison de pas prendre le Game Pass. Y a vraiment zéro raison. À moins d'être un fanboy à détester Microsoft pour aucune raison. Y a zéro raison de pas prendre le Game Pass. Si vous jouez beaucoup sur PC. Ah. Là, on va tester un peu notre armure encore une fois avec les améliorations. Pas mal. Oh, cool, merci de m'avoir sauvé. C'était pas la peine. Vas-y, on va tester les lames. Pas mal. En plus, j'avais contré. J'avais contré, donc j'avais sûrement une défense bien augmentée. Combien, genre 60%, c'est ça? Ouais, 60% de dégâts en plus. Donc c'est pour ça que les piques, là, elles ont fait super mal, même en étourdissement. Envie. Ah, pas la carte. On voit un peu. Ouais. Donc ouais, ça c'est cool pour Wulong. Les seuls jeux entre cette année et l'année prochaine que je pense acheter du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui seront sur le Game Pass, il y a aussi Redfall qui m'intéresse, il sera aussi sur le Game Pass Day One, Wulong Day One aussi en théorie normalement, on a Starfield Day One. Ah, c'est une épreuve de l'autre côté, d'accord, ok. Attends, il y a le coffre du soir là, que je veux faire. Seul jeu, ça serait Callisto Protocol, là. C'est ceux qui ont fait Dead Space. Et après, il y aurait Dead Space Remaster. Même si je pense qu'il va pas être très très bien, honnêtement. Je suis super fan de Dead Space, j'adore Dead Space, honnêtement. Mais. Je sais pas, il y a un truc qui me va pas avec de ce qu'ils avaient fait des streams, l'équipe là qui travaille sur le remaster et tout. On dirait des débutants.
très très étrange. On dirait des gros débutants et je sais pas, je le sens mal. En plus, ce qui est marrant dans Dead Space Remaster, quand ils l'avaient annoncé, je me suis dit, bon, déjà le jeu il est pas assez vieux vraiment pour mériter un remaster, mais bon, bref, s'ils veulent en faire de l'argent encore sur la franchise, allez-y, hein, de toute façon ils sont bons qu'à ça. Mais je me suis dit, il faut faire deux choses. Ils parlaient du fait que, ouais, on veut rajouter de l'histoire par rapport à Isaac et tout ça. Direct, j'ai dit, il faut le faire parler du coup. Parce que si tu veux rajouter de la profondeur à un personnage qui parle pas, c'est compliqué. C'est compliqué, donc faut le faire parler. Et après, j'ai dit, le seul problème qu'avait Dead Space 1, point de vue gameplay, c'était par exemple quand il n'y avait pas de gravité, où on avait des bottes là aimantées et on passait d'une paroi à l'autre. Honnêtement, dans le 2 et le 3, qu'on pouvait voler, et c'était nettement mieux, c'était beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Genre 2 semaines après, ils ont annoncé, ah bah tiens, on a récupéré la personne qui fait la voix d'Isaac. Donc du coup, on va le mettre dans le 1. Enfin, dans le remake. Dans le remaster, plutôt. C'est pas un remake, c'est un remaster. Et après, ils avaient montré le no gravity, là. L'endroit où il n'y avait pas de gravité. Ah bah tiens, on peut voler. Comme dans le 2 et le 3. Voilà, c'est bien. Alors déjà, quand je vois ça, que je prédis les seuls trucs qui avaient à changer... Merde, putain. Le seul truc qui avait à changer, mais qui me montre rien du tout de nouveau. Oh, c'est pas très bon signe, honnêtement. Parce que je veux bien que j'ai des bonnes idées, tout ça, mais si tu me montres zéro chose nouvelle, à part, ouais, des meilleurs graphismes et tout ça, ouais, trop bien. La peau qui se détache des monstres et tout, waouh, super cool. Ouais, enfin, c'est du graphisme que tu es en train de me montrer, c'est pas vraiment intéressant. Enfin, c'est bien, mais... C'est pas magnifique, quoi. Moi, je veux un truc. Je veux vraiment un bon truc. Et puis après, il y a eu Callisto Protocol qui a été annoncé. Bon. Je crois qu'ils ont super mal timé leur truc. Ah, on va avoir un combat. Je crois que... Je crois que EA aurait dû embaucher des espions pour savoir si Callisto Protocol était sur le chemin ou pas. Parce que là, ils ont merdé quand même. Maintenant, ils doivent rivaliser avec le créateur de Dead Space. Vous imaginez la connerie? Parce que peu importe si on est fan de Dead Space, je suis sûr que les gens ils vont plus se ranger sur le mec qui a créé Dead Space que sur Dead Space lui-même. Parce que Callisto Protocol, il a l'air vraiment cool. Ce qui me fait un peu de la peine, c'est que Callisto Protocol montre ce qu'aurait pu être Dead Space 4, par exemple. Genre une suite de Dead Space, en fait. Et ça me fait chier, parce que j'aime beaucoup Dead Space. Mais bon. L'oracle avait raison. Je suis toujours en vie. Nous qui allons mourir... ferons tout pour survivre. J'aime bien cette réplique. Je crois qu'on a vraiment une chance contre un typhon. Qui est de mon avis? Non? Personne? Go. Merde, putain, mais je suis de la merde. Mon dieu, ça te pousse, quoi. Ouais, on a grugé le truc, on a fait un peu n'importe quoi, ça passe, tant mieux. Par contre, on a dû utiliser une potion. Bon, bref, j'avais dit... Ah, ben voilà, parfait. On a tellement perdu de temps que... C'est des gros machins, quand même.
Oh la vache. Ah merde, il a touché son pote. Oh. Ok, on va changer d'armure direct là. Oh putain, c'est deux. Wow, wow, wow. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Putain, mais tu m'enlèves la confusion, fais chier, toi. Ça peut tirer vraiment à ses pieds en fait, c'est un peu la merde. Genre même quand on est collé à lui, il peut quand même réussir à vous toucher, faut faire attention à ça. Oh le coup de bouclier, il est monumental hein, par contre. Le coup de bouclier chargé là. C'est un peu abusé. Il fait autant de confusion? Ça me rend... je suis étonné. Ah ouais, 5500 d'étourdissement, hein, comme ça. Et là, ça c'est quoi? 9400. Ah, faudra débloquer ça. Ouais, on est à 5500 d'étourdissement. C'est pour ça que ça va très vite. Et après, t'as l'onde de choc en plus. Après, je sais pas si l'onde de choc va toucher l'ennemi qu'on a touché. Ah, je crois... Non, si. Vu la cinématique, oui. Donc ça fait 5500 plus 2000, quoi. Ouais, ça fait très très mal maintenant ce bouclier. Du coup, on a récupéré un nouveau fragment, donc on en a 4. J'imagine qu'il en faut 5, parce qu'on a encore une zone qu'on n'a pas faite, même 2 zones si on prend la zone du tartare. Donc du coup, je dirais que peut-être 6. Pas vraiment la peine de tuer tout le monde. Notre équipement est presque... presque maxé, donc honnêtement... C'est marrant, ça fait des effets rouges autour. Cette eau, même autour des piliers et tout, c'est stylé. Genre j'avais dit les liquides, ils ont un effet sympa. T'avais déjà combattu. Ah oui, c'est le truc qu'on avait. Je crois que c'est le premier qu'on avait combattu. C'est le premier qu'on avait combattu, mais on était parti parce que on voulait aller tuer le héros. Ah, par contre. Ah, mais c'est pour ça en fait que. Oh la vache. C'est pour ça que. La barre d'étourdissement elle s'en va. Parce qu'en fait on le met en étourdi. Et la zone d'effet.
elle détruit la barre d'étourdissement en fait. Et ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Genre là, hop, vous avez vu, ça la refait. J'ai pas vraiment... J'ai fait attention aux dégâts, je regardais la barre d'étourdissement. Ok, ça il faut faire attention par contre. Parce que pour les boss, ça nous enlève du coup du temps de dégâts, ça c'est cool. Si on fait tellement d'étourdissements, c'est trop en fait. Ah, c'est limite trop. Ah, ça c'est con ça, c'est bête. Bon après, on fout tellement le bordel à spammer nos attaques, elles font tellement mal de tous les côtés, c'est pas très grave. Mais voilà. C'est pour ça qu'on avait du mal tout à l'heure avec les géants, parce qu'à chaque fois, la barre d'étourdissement, elle partait très vite. Cube. Cube du feu. Ah, du feu là aussi. Ok. Ah non, des torches à son allumées. Pas utiliser ça. Je crois que j'ai compris. J'ai vu la plateforme. Là par contre c'est quoi? Okay, ça marche. Nickel. Un visuel. Doit être là le tartare. La faille. En dessous ou à l'intérieur? J'ai vu une ouverture en dessous, au-dessus. Ouais, vraiment le jeu que j'attends de parmi tous là, parce que je sais que Callisto Protocol, ça va être très bon jeu et tout. Dead Space, j'espère qu'il va être aussi très bon. Mais le plus attendu pour moi, ouais, c'est Wulong. Parce que du coup, il va avoir de la progression de personnage, d'exploration, enfin voilà quoi. Ça va durer un bon moment, enfin j'espère en tout cas. Puis de pouvoir avoir de la coop et tout, ça aussi. Ah. On va mettre le lourd ici du coup. Change le laser de place en fait. Est-ce que c'est sombre? Oh, du combat. Yes.
Alors, vous savez quoi? On va directement se mettre en tenue. On va pas faire du one shot et tout ça. On va directement combattre normalement. Hop là. Ouais, vous voyez, ça fait que 700. Vous voyez, hop, ça enlève la barre de... Oh la vache, salope. Mon dieu, merde. Mais je suis à 68. Waouh, je fais les effets rouges. On a 74 de dégâts de combo. Oh, je fais des effets rouges. Attends, par contre, je veux juste m'amuser à voir ça. C'était quel truc qui faisait ça? Je me rappelle plus. Et là, 774. Ouais, ça va. Ça va. Non mais on met des chèques. Ah ouais, non mais laisse tomber là. Ça fait tellement de combos avec notre armure. Oh, c'est énorme quoi. Je savais même pas que ça faisait cet effet rouge là comme ça. Let's go, let's go, let's go. Ok, on va par contre on va se buffer. Un petit 30 direct. Là-dessus. J'aurais même pas dû utiliser de... Ah là c'est fun là, c'est super fun. Quand il y a plein d'ennemis comme ça, c'est super fun. Ouh, fragment fondu. Ah ouais, non, le... C'est un peu étrange. L'aptitude, pour comprendre ce qui se passe, c'est que, bah, comme j'ai dit, bon, l'armure, elle fait plus 4. Donc du coup, on fait 5 plus le coup normal. Puis en fait, ce qui nous a fait énormément de... c'est ça, en fait. C'est le fait de toucher plusieurs personnes, ça faisait encore plus 5 à chaque fois. Faut vraiment qu'on augmente ça aussi. Pour que ça augmente la zone. Parce que la zone, elle est pas mal, mais... À la limite, c'est mieux de faire le coup de bouclier. J'ai l'impression que la zone du... de la dernière charge, en fait, du bouclier est plus grande. Donc il faut vraiment qu'on augmente ça. Attendez. Ouais. Ah, c'est puissant, hein.
Quand on a beaucoup d'ennemis, c'est une catastrophe hein, pour les ennemis. On les massacre tous quoi. Super boosté. Vraiment très très cool. Très très heureux de la puissance de l'armure. Là on a vu le coup de l'avoir mis au niveau 4. Là ouais, ça fait extrêmement mal. J'adore les effets rouges là. Je savais même pas que ça faisait ça. Ça doit être en haut. Les effets rouges d'explosion là quand on tape, c'est super classe. Vérifier avant. Ça marche. Il était en train de le regarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tuer. Il avait marre de vivre, il s'est suicidé. Faut un peu d'endurance. Ok, ouais, on avait gavé un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu gavé les deux. En plus ils ont beaucoup de vie, c'est con. Le défi de percer. Combien de coffres? Un seul. Il y a du nuage rouge. Le coffre il est juste à la fin, ça marche. Bon, il va falloir amener plein de caisses, apparemment. Il y a des nuages rouges, je crois que c'est pour éviter qu'on coupe en fait. C'est pour le faire réapparaître. Ouais, parce que je pensais. Putain de merde.
ta maman. Oh, ça va être trop doux. Faut faire un sans faute, quoi. Ça marche. Je peux pas passer par-dessus. Qu'est-ce qu'ils font mal les lasers, quoi, c'est ouf. Faut voir que je me soigne. Attends, là je devrais résister encore. Merde! Mais c'est lequel de laser qui m'a touché? C'est celui-là? Il dépasse sa zone en fait, d'accord. Tu peux voir quand il tourne? Ah oui, il va un peu plus loin. Putain de saloperie, comme j'avais pas vu. Go, go, go. Oh la vache. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a juste besoin d'aller en chercher trois. Donc. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que ça va être fun. Ah, mais attends. J'espère que ça marche. Ouais, voilà, attends. Merde. Je vais voir ce que ça fait exactement quand il n'y a pas le poids. On s'active les lasers. T'as le machin qui arrive. Après, t'as le machin qui part. Hey.
Parfait. Après, j'aurais pu, une fois être en sécurité là, j'aurais pu aussi détruire mon clone, enfin le faire réapparaître autre part. Nickel. Bon, mais ça va si on peut gruger le truc comme ça, c'est bien. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être? Alors des lasers de partout. Ah. Bon après, si vous êtes un peu teubé, c'est pas de ma faute. Coucou. Ah, t'as un moment. Et voilà. Comment on active le feu? Comment on active ça? Ah, il faut peut-être que... Alors attends, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux le brûler? Non, c'est pas ça qui active. Ah, je crois que je vais aller faire l'autre. Juste histoire de tous les faire pour être sûr s'ils sont pas liés. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors peut-être une potion. Ouais. Yes, nickel. Très bien. Ça se passe nickel. Ça se passe très bien.
défi. Ça va vite, hein. Coffre là-bas. Après, ce qui est sympa avec les nouvelles zones comme ça, c'est que... il y a plein de trucs partout, quoi. C'est suicidé dans l'eau. Ils peuvent pas nager, c'est con. Ils savent pas nager, ces abrutis. Ah, là, y'a plein de trucs dans l'eau. Tu veux que je monte, c'est ça? Blablabla. On fait beaucoup, hein. Plus de deux. Un, trois là. Merde. Après, faut... il en faut peut-être pas six, hein. On va retourner dans l'eau. Alors des fois quand c'est sombre on voit rien, mais alors dans l'eau c'est encore pire. C'était l'entrée. Non, je crois qu'il n'y a plus rien en haut. What? Il nous en manque trois. Après, j'ai envie de dire, c'est du léger, hein. Après, c'est peut-être fait exprès. Genre, il faut un peu réfléchir, quoi. Enfin, faut... casse pas. Faut être ingénieux, peut-être. Non, d'accord, ok, il y a une séquence à...
Doit avoir un indice quelque part. Sur lesquels activer. Ah, dans l'eau. Les statues. Non, celle-là, 1, 2, 3. Parce que j'ai vu les piédestals sous l'eau aussi avec les statues. Et ça ressemble à ça en fait. Alors attendez, c'était comment? C'est 2 sur la gauche. Donc ça, non. Celui-là, elle est bonne. Celle-là, non. Voilà. Faut juste un peu... Ouais, faut faire attention. Faut regarder un peu à droite, à gauche et tout. C'est marrant. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup le système de puzzle. Puis, ce qui est bien, c'est que c'est jamais très loin. Il y a des jeux qui savent pas faire ça, c'est un truc de fou, quoi. Bon, c'est tout con, mais que genre, quand tu mets un puzzle devant quelqu'un... Ah, attends. C'est un autre... C'est sur l'autre... L'autre zone. Les coffres de minuit, normalement, ils nous donnent des... Des gemmes, là. J'ai envie de dire. Donc, peut-être que si on fait celui-là, on peut peut-être avoir, genre... une armure sacrée là ou je sais pas quoi. Que dit la description. On va voir. Mais ouais, il y a des jeux comme ça qui vous mettent des puzzles et puis après t'as la solution à trois plombes ou c'est juste chiant en fait. Celui-là il fait les choses très 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 bien. Alors du coup, comment on fait? Il y a une séquence. Une séquence. Est-ce qu'il faut pas être de nuit? Que vu que c'est... Bon, on va se mettre déjà de nuit. Peut-être qu'il va y avoir de l'aide qui apparaît ou pas. Un truc comme ça. Ou alors, vu qu'il y en a beaucoup, là c'est peut-être juste à se rappeler. Oh la vache, il y a du... Merde, trop tard. Go armure. Vache putain. Beau combo à 56 là. Putain. Ah, les esprits. Peut-être. C'est les esprits. Ok, c'est 1. 2. Non. Oh, non, c'est pas les esprits. C'est pas les esprits. Pourtant... Attends, il regarde pas. Non, c'est pas les esprits en fait. Bah là, je vais peut-être le forcer le truc. Genre, il n'y a rien qui m'aide. À part les esprits, je vois pas en fait. Mais les esprits, c'est pas bon.
Et je trouve le deuxième, peut-être que ça va m'aider parce que de trouver la séquence en fait. Non mais les esprits en fait ils se baladent quoi. Tout se fait là, non? Tu veux que j'aille vers l'esprit peut-être? Ah, ok, c'est vers les esprits en fait. D'accord, ok. Donc c'était bien les esprits. Mais c'est pas... Il faut pas genre sauter sur ceux des esprits. En fait, faut aller en direction des esprits. Regardez le hall des dieux. Ok, on va aller faire ça. Vous avez compris, il faut aller dans la direction. Il faut pas sauter. Mais ça va, j'avais compris. Je me suis point con. C'est bien. Alors. Ah oui, mais c'est des. Oh là là, c'est ça. Regarde là le détuel. Super. Précis. On va garder l'arc du lys. C'est tout? Non, putain. Tout ça pour ça, quoi. Non, on n'a pas besoin d'autant de vie. Hein. On est quasiment au max, genre 12 fragments, 15 fragments, mais on a combien de fragments de vie? On n'en a pas autant, on en a 11 je crois, et on a presque fini. Ah non, c'est de l'énergie qu'on a presque fini, je crois. Faut que je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais quand même, 12. Il faut rassembler les fragments d'ennemis peuvent constituer une formidable armure. Ouais, c'est ça. Pour composer une nouvelle armure, mener à bien toutes les tâches héroïques d'exploration du tableau. Ah, peut-être toutes les faire en fait. Ouais. Je crois que ça y va les... Dans la zone qu'on est, je crois qu'il y a beaucoup de plantes pour les potions d'attaque. Parce que là, on en a quand même un bon paquet. Par contre, je vais faire une toute petite pause. Je reviens de suite. Après notre déception. Qu'est-ce qu'on a augmenté? Ah, arc. Arc. Flèche. Arc. Ah, 404, 600, 800. Là, il nous faut à peu près 10 000. Là, il nous faut 8 000, donc 18 000 en tout. De toute façon, il faut 900 d'un côté et 800 de l'autre pour les violets. Donc, on va pas pouvoir faire les deux. Supplémentaires. Là, je serais plus à augmenter le body en fait.
Parce que bon, on a déjà des stats complètement pétés sur le casque en fait. Mais le body, là, rien que d'avoir encore un combo supplémentaire, c'est énorme en fait. C'est juste énorme. Donc on va faire ça. Donc il nous faut 10 000 bleus qu'on a. Ouais. Donc on peut faire les deux, je pense. Ouais. On faut 18 000 en tout, on a 15 000, enfin 16 000. Donc on peut quand même augmenter l'arc. Nickel. Et on a combien de pièces? 4. Pour la santé, il en faut combien? 9? Ça marche. Bon, un peu déçu là de ce qu'on a débloqué du coup. J'ai envie de dire à la limite, c'est pas le plus important, c'est l'aventure, hein. C'est pas le résultat, hein, comme d'habitude. Alors là, on a une crypte inexplorée. Ah oui! Il y avait ça. Ouais, mais on peut pas se téléporter en fait. Putain, il faut que je me téléporte. Faut aller ici. Faut aller ici, c'est pas très loin de la téléportation. Oh, il y a un truc aussi, ce qui s'est passé. Il y a. Pour ceux qui connaissent Halo, enfin qui sont un peu fans d'Halo, il y a Halo Infinite qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je pense qu'il était très bon, même si on a vu qu'ils ont eu des problèmes pour le développer et tout ça. Mais au final, ils ont quand même fait un très bon jeu. Je parle de la campagne solo. Hein. Ils ont quand même fait un très bon jeu. Ils auraient dû même aller encore plus loin, en fait, dans leur monde ouvert, en fait. Ils ont fait un monde ouvert avec Halo maintenant. Une sorte de monde ouvert. Et il n'y avait pas de coop. Ils avaient annoncé que la coop sortirait plus tard. Bon, ok. Halo sans coop, c'est quand même triste, quoi. Et du coup, plus tard, ça a été repoussé. C'est quoi ça? Après, ça a été en bêta. Ils avaient montré des images et tout. Et apparemment, maintenant, ça a été complètement abandonné. Donc, il n'y aura pas de coop du tout. En tout cas, c'est ce que Shaina m'a dit. C'est fou, quoi. C'est fou de. Là, je crois qu'ils ont. Déjà, ils étaient quand même limite avec Halo Infinite. Parce que quand ils l'avaient montré à l'E3, je crois. C'était moche. Il y avait du clipping. Non, pas du clipping. Si? Non, clipping, c'est quand on passe à travers les objets. Du popping. Il y avait du popping. Où les choses apparaissaient et tout. C'était immonde. Genre la fumée et tout. Le trailer était immonde et ils ont eu énormément de backlash à cause de ça. Complètement mérité. Hein, complètement mérité. Après, ils l'ont amélioré tout ça. Ça a été beaucoup mieux. Et tout. Mais ils étaient quand même limite. Attends, t'es où toi le coffre? Et là, le coup d'avoir annulé la coop, mais. C'est triste. C'est triste de merder Halo comme ça, du coup, ouais, enfin. C'est limite gâcher Oh, la je le franche. connais cet endroit. La commémoration de l'union, on va dire, désastreuse entre Héphaïstos et Aphrodite. Ce n'est pas si moche, c'est. D'accord, c'était moche. À quoi vous pensiez, Hera et toi? Je voulais qu'Aphrodite devienne sérieuse, un peu, qu'elle arrête de fricoter à droite et à gauche. J'ai fait ce que font tous les bons modèles parentaux. Oui. Peut-être que tu n'es pas le mieux placé pour les conseils matrimoniaux. Pas mal celle-là. Ok. J'ai pas une torche à côté de moi? Faudrait que je me mette là.
Bon. C'est la merde avec les trucs de tous les côtés là. Donc ouais, c'est triste quoi. C'est honnêtement, le prochain Halo, s'ils font pas un truc énormissime, ils rattraperont jamais, et puis Halo c'est fini quoi. Plus personne, c'est pas... Avant de dire que c'était un truc qui pouvait vendre des consoles, Halo, maintenant c'est plus vraiment grand chose quoi. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. 1, 3. 2, 3, on va directement faire ça. Donc ouais, très triste. Ah, les devs, hein, des fois, hein, quand ils font n'importe quoi. Hein. L'indéfectible. Il enseigna de grandes techniques au monde entier. Fais-moi grâce, Héphaïstos, et accorde-moi la prospérité. C'est vrai qu'il a fait pas mal de trucs pour moi. Mais j'attends encore mon trône avec option massage. Hein. J'attends mon trône avec option massage. C'est comme il y a quoi aussi de développeurs qui ont annulé des choses comme ça, qu'ils avaient promis à annuler. Cyberpunk aussi. À part le, sans reparler de la grosse merde que c'était à sa sortie, ils l'ont fixé et tout maintenant. Enfin, bref, ça reste un jeu comme il est. Hein. Honnêtement, je le trouve vraiment pas top. Et et il y avait quoi? C'était quoi? Je me rappelle plus. C'était un DLC genre PVP ou multijoueur. C'était un truc multijoueur, je crois. Ça aussi, c'était prévu en développement, tout ça. Puis après, genre, ah, mais au final, on a changé d'avis, on le fait pas. Voilà, de rien. Au revoir. C'est fou de faire des trucs comme ça, je trouve. C'est complètement fou. Dégueulasse pour les joueurs, quoi. C'est pour ça que les gens doivent être... Pour moi, les gens doivent être beaucoup plus sévères, en fait, avec les développeurs. C'est là? Ouais, c'est là. On doit être beaucoup, beaucoup plus sévères avec les jeux. Pardon. Ah, j'ai pas touché l'autre. Je me rappelle que j'avais eu des reproches. Genre, je te trouve un peu sévère avec les jeux, avec ça, ça et ça. Bah ouais, mais bon. J'aime pas manger de la merde, en fait. Désolé. Je sais pas. C'est comme les gens qui... Ah, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. On peut aimer des développeurs et tout ça. Moi, par exemple, j'aime énormément Kojima. Hein, je vais pas le... Attends, qu'est-ce que je fasse? Tu veux que je le tire? Ouais. Je peux faire ça, ouais. Tu veux que je le mette toi. Mais bref,
Voilà, mais on peut aimer des développeurs et tout, mais quand ils font de la merde, faut le dire, quoi. Genre, quand Cyberpunk était sorti, je me rappelle, il y a des gens... Ah, mais c'est pas si mal, avec plein de bugs quand même, le jeu il était bugué à fond, hein, c'était une horreur, hein. Faut le reconnaître quand même. Et les gens ils disent, ah non, mais quand même, je suis supporter de Red CD Projekt parce qu'ils ont fait des bons jeux. Mais on s'en bat les couilles. Je m'en fous que t'aimes bien The Witcher. Par exemple, parce que beaucoup de gens aiment Red CD Projekt parce que The Witcher. Ouh, attends, ça c'est en blanc ça. Je vais voir un peu. Non, celle-là. Ouh, c'est joli ça. C'est joli comme ça. Aime beaucoup Witcher. Et du coup, ils sont là à vouloir pardonner le reste. Non! Non! Genre, moi j'adore Dead Space 1, 2 et 3. 3, c'était même. Presque un de mes préférés, le troisième, parce que bon, il y avait un côté un peu découverte et tout que tu pouvais faire. Le truc de faire ses propres armes et tout, j'avais adoré. Mais énormément de gens ont détesté le 3, apparemment. Ils disent que c'est celui-là qui a tué la franchise. Bah voilà. Donc les gens, du coup, ont pas aimé. Je vois pas pourquoi Red CD Projekt, ils auraient un pass gratuit avec un jeu tout pourri au final. Le jeu, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient promis. Et puis, c'est buggé de tous les côtés. Je vois pourquoi lui, eux, ils auraient un pass, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Tu peux pas dire qu'ils ont fait des bons jeux, donc ça va, ça le pardonne. Non, ils ont fait de la merde, faut leur dire. Point barre. Puis, en plus, ils ont fait des mensonges super chelous. Hein. Même pas par rapport qu'eux au jeu. À moi, ils avaient dit ce qu'il y a... Il y a Keanu Reeves dedans, dans le jeu. Et ils avaient dit que Keanu Reeves avait joué au jeu et tout ça. Et apparemment, ça leur a posé des problèmes parce que c'était des conneries. Keanu Reeves en avait parlé et il avait dit que non, il avait jamais joué au jeu. Il a fait bien sûr la voix et tout ça, mais sinon il avait pas joué au jeu. Donc faire des mensonges comme ça sur une star, en fait, ça se passe pas vraiment bien, faut pas le faire. Parce que les stars comme ça, elles ont des avocats et tout. Donc c'est dangereux. C'est pas un truc à prendre à la légère. Après, il faut voir les détails un peu de tout ça, mais c'est ce que j'avais entendu parler. Mais voilà, il y a plein de trucs et tout, et je comprends pas les gens qui disent « Ouais, non, mais moi, je regrette pas avoir balancé... genre 80€ dans ma version du jeu. Mais il y a plein de cristaux partout, quoi. Même si le jeu est buggé, moi ça va. D'accord, bon bah, c'est bien. C'est un peu comme les... J'ai envie de dire à la limite maintenant que... Il y a Shayna qui joue beaucoup, comme j'ai dit, à Elite Dangerous. J'aime pas, moi, les jeux d'espace et tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Mais du coup, je m'étais mis et tout. Enfin, ça va, c'est sympa, quoi, vite fait. Et il y avait un jeu que j'étais pas du tout familiarisé avec. C'était Star Citizen. Ah, il est connu, Star Citizen. Hein. Et Star Citizen est aussi bourré de bugs, hein, incroyablement, et tout ça. Et il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est juste une alpha, machin, tout ça. » Après, quand on se renseigne un peu quand même, bon, ça va faire un peu 10 ans hein, que le projet, il est là. Ils ont un peu 500 millions aussi, derrière, entre le backup et tout ça. C'est un des jeux les plus chers au monde. C'est genre, il est devant... Maintenant, je crois qu'il a dépassé Red Dead Redemption 2. Je crois qu'il a dépassé GTA 5. Ça, je suis pas sûr, pardon. Mais voilà, c'est des trucs comme ça qui, au bout d'un moment, faut... Je veux bien qu'on soit fan de choses, mais faut pas être con non plus. Il faut... Bah en fait, je me suis vachement éloigné de l'endroit. Bref. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Genre, au moins, honnêtement, Star Citizen, il a plus aucune excuse d'être comme il est. Le jeu devrait être fini.
devrait... Ou alors d'être dans un état très bien, quoi. Genre, vous prenez Escape from Tarkov, que j'ai beaucoup joué. Ça va faire quelques années aussi qu'il est en bêta. Et honnêtement, ce jeu, il a vraiment... Il s'est vraiment amélioré. Genre, je me rappelle quand j'avais commencé... Oh. Talos, le reconstruit. Tomate légendaire. Quand j'avais joué au jeu au début, il y avait du stuttering dans tous les raids. Et tout ça, c'était vraiment très très frustrant en fait d'y jouer. Ça a été... Maintenant, il n'y en a plus du tout. Genre, il y avait plein de trucs qui déconnaient, tout a été arrangé. Genre, Escape from Tarkov est très très bon maintenant. Alors que le jeu est en bêta. Mais bon, voilà quoi, les mecs, ils bossent très bien dessus. Star Citizen, ils n'ont aucune excuse d'avoir un jeu aussi bancal en fait. Donc ouais. Enfin voilà, c'était juste pas un coup de gueule, mais pour dire que des fois, faut pas être fan, faut être logique aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une attaque sournoise. Attaque sournoise, c'est parti. Voilà, 13 000. On peut bloquer ça. Il a des nouveaux coups, lui. Que les autres ont pas. Ah oui, j'avais oublié ça. Putain, on l'a encore... Wow, mais c'est ouf quoi. Ben putain. Phosphore lustré. Je crois que c'est la combinaison de la potion avec notre équipement. ...8600 d'étourdissement avec la potion. Parce que là, la potion est active, donc je crois que ça augmente. Oui, ça augmente. Là, on est à 14 000, 15 000, quoi. Et ça fait une onde de choc, en plus, à 3 000. C'est énorme, en fait. En une attaque, on étourdit un légendaire, quand même. Ah, on a fait les très très beaux, les augmentations vraiment bien précises qui massacrent, hein, qui massacrent tout quoi. Faut être honnête. Hein. En tout cas, c'est pas vraiment de ce côté-là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai peut-être le temps de faire encore une crypte. J'ai vu que j'ai fait une pause, je sais même plus le temps que j'ai. Sinon, on a récupéré ça. Alors, dégâts triplés en cas d'atteinte avec attaque de phosphore durant la rage de typhon. Rage de typhon? C'est quoi ça, rage de typhon? C'est quoi la rage de typhon? C'est quand il invoque son héros, là? Ah, les héros qu'on a tués? Je crois qu'on peut avoir un autre bout de vie là par contre. Très bien. Oh.
Non. Bon bah, c'est la faille. Attends, on peut passer par là. Oméga. C'est ça le symbole, hein. Ah, ok. Super. Merde, ça voulait pas faire l'attaque. Je crois que j'étais trop bas en fait. Le jeu me bloque en fait mes pouvoirs quand je suis trop bas. Je pouvais pas faire ça. Attends, je suis en train de me demander si... Maintenant que j'ai pris l'habitude de gruger le jeu. Fait exprès. Ils ont fait exprès. Apparemment, on va se prendre des dégâts. C'est pas grave. Boîte. Boîte. Quel... Encore boîte. Ça fait apparaître la boîte, ça fait apparaître la boîte. Tout ça pour récupérer une boîte en fait. Sympa comme puzzle. Ça va. On découvre des nouvelles choses encore. Ok. Du coup, moi, je peux faire ça. Alors. Par contre, on va... Ouais, voilà, ok. Il faut une grosse caisse, en fait. Ah, je crois que les deux petites boules... petites boîtes, pardon. Je crois que ça suffit. En fait, c'est ça qu'il faut mettre, les deux petites boîtes. Pour pouvoir passer comme ça, là. Oh, ça a l'air fun. Oh!
Trop bien. Ah. Blanc. Parti. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Boum. Non, il charge trop vite. Le SSD magique, non. C'est quoi ce bruit? On va aider les soldats, puis après on s'arrête. Tu sais, ma mère était peut-être une naïade et mon père un prostitué, mais quand tu es avec nous, tu fais partie de la famille. D'accord, ça fait plaisir. Yes. On va pouvoir augmenter notre vie. Là, on devient quand même extrêmement puissant. Très content hein, de l'équipement. Le nouvel équipement est quand même bien. Pas le nouvel. Maintenant, ça fait un moment qu'on l'a, mais. Équipement de vieux, là. Plus que deux barres de vie à débloquer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? 700 de ça, on n'a pas besoin. Ah, par contre, on a 10 pièces. Je crois qu'on peut avoir... Yes, non, si, ça. Ça. Ah, comme ça, la zone, elle est bien, bien grande. Qu'est-ce qu'on va faire après? Là, on en soigne 12 de fragments. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, dégâts aux ennemis assaillants. On voit les projectiles. Bof. Ça, c'est honnêtement pas vraiment très très intéressant. On va économiser pour full vie. Non, le reste c'est pas très intéressant. Va falloir que j'économise en quoi moi? Alors ouais. Ça. En énergie. On peut balancer un peu plus de potions de dégâts déjà. Ça sera mieux.
quand on a des boss et tout. Un peu plus souvent. Et en plus, on peut soigner en tapant quand on a la potion activée. Donc, ça nous économisera du soin. Et on fera beaucoup plus mal. Si tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. Ça, on a un truc qui s'est mis à jour, mais... Attends, c'était ça? Je crois que c'était ça. Il ne reste plus que des sangliers à faire. Coffre gardé... Fragment fondu dans les coffres de l'arène. Ah oui, ça aussi, c'est un skin. Ça sera en or, la lame. C'est pas mal. Vaincre les lieutenants. Ça aussi, je crois que c'est un skin, parce que je connais la lame. Ça aussi. C'est un peu la déception. Ah tiens, mais ça a changé. Ah, mais en fait, on n'a pas besoin de payer, j'ai envie de dire. C'est sympa, ça. On n'a pas besoin de payer. Parce que ça, c'est des trucs qu'on peut acheter, en fait. Ça fait partie d'un pack. Ça aussi, armure du corrupteur. Ah, intéressant. Attendez, est-ce que je dise pas de conneries? Ça, la souris, c'est plus rapide. Tu vois, c'est quoi? Pack à vedette. Pack Hades, le maître des ombres. Ah oui, c'est ça. Oui, bah voilà, on avait ça la dernière fois. Là, c'est parce que ça a changé de semaine, donc du coup, voilà. Mais... Mais voilà, donc ce sont des choses qu'on peut acheter. Qui tournent, en fait, avec l'électrum. Donc on n'a même pas besoin... Donc peut-être qu'on on peut avoir, du coup, petit à petit... les équipements et tout. Bon, après, c'est long, hein. Ouais, c'est ça, par exemple, l'armure. C'est très long, hein. Mais du coup, ça marche. Ça, c'est vachement bien, ça. C'est vachement bien. Et après, en plus, c'est juste du skin. Hein. C'est pas vraiment intéressant de... Mais voilà, si vous voulez vraiment... Et je crois que l'oiseau, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, il est là. Donc ça, c'est bien. Un bon point pour Ubisoft sur ça, avec l'Electrum. Après, on est limité par semaine, donc à chaque fois... En fait, ça serait comme un MMORPG, faire des quotidiennes ou des journalières, des hebdomadaires. Genre là, il y a quoi? Quoique non, en fait. Non, je dis des bêtises. Un long chemin. Il y aura 7 heures, ça c'est... Dans un jour, ça revient. Saison de chasse. Bon, après, c'est pas énormément l'électrum, donc ça prendrait du temps, mais bon. C'est cool. Non, c'est vachement sympa leur système. Du coup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Prochaine fois, on va continuer. On va peut-être faire un peu d'histoire principale. Ou alors, on va s'amuser là-bas. Ce qu'on avait vu, je crois. Attendez, c'est pas la crypte où je pouvais pas faire un truc là, genre balancer des boules, je me rappelle plus. Non, on l'a fait celui-là, on l'a tué le monstre ici. Ben je sais pas ce qu'on fera, on se baladera peut-être. On continuera à se balader, puis après on ira faire l'histoire principale. Ouais, on ira se balader. À la prochaine, ciao!